Et salut à tous, salut YouTube, bienvenue dans la partie 3 de la construction de l'abri de jardin. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Donc vous avez vu, j'ai terminé l'élévation. Alors c'est un toit qui va être monopente, donc dans les prochaines vidéos, on verra le coffrage des pignons. Là aujourd'hui, on va s'occuper des chaînages verticaux. Donc je vous ai fait voir où j'ai ouvert le bas des piliers pour nettoyer. Alors lorsque vous montez vos aglos, il y a un pagaille de chute de mortier qui tombe dans le pilier. En bas, c'est un tas de merde qui est mal accroché, donc il faut ouvrir et nettoyer. Alors moi, j'ai ouvert sur les bas, j'ai pas fini de tout ouvrir. J'ai ouvert le premier du milieu pour vous faire voir la manière de ligaturer les chaînages entre eux. Hein, voilà. Alors j'ai fait un petit peu de recherches sur internet. Bon, dans ce type de construction, comme je vous disais au départ, il n'y a pas une forte élévation, c'est pas une maison non plus. Donc les chaînages ne sont pas obligatoires. Je les fais pour le plaisir de les faire, on va dire c'est comme ça. Après, au niveau du chaînage lui-même, vous pouvez faire une ligature tous les 1,50 m. Parce qu'il est évident que vous ne pouvez pas mettre un chaînage de 3 mètres de haut selon la construction que vous faites, et puis à chaque fois monter à 3 mètres, mettre l'aglo-poteau, le descendre jusqu'au point le plus bas. Voilà, donc vous coupez votre chaînage. Alors vous pouvez le ligaturer. Si vous êtes équipé d'un poste à arc, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement souder les chaînages entre eux, ce qui est la meilleure des solutions. Après, vous avez d'autres techniques que vous verrez peut-être sur certains chantiers ou que certains connaissent, qui sont la soudure à la thermite, mais qui n'est pas à la portée du particulier. C'est fait uniquement par des professionnels. Lorsqu'ils construisent les buildings, ils soudent les chaînages verticaux à la thermite pour pouvoir avoir un chaînage d'un seul tenant. Bon, ça c'est une petite aparté. Dans le cas échéant, on va travailler au fil de fer comme tout le monde. J'ai pas de poste à arc pour souder ça. Et puis comme je vous l'ai dit, mon poste MIG est déjà beaucoup trop lourd puisqu'il passe plus de 60 kg. Et ensuite, en ce moment, il a quelques soucis dus à l'humidité. Donc du fait, je ne peux plus l'utiliser pour le moment. Alors, en ce qui concerne ça, c'est ce qu'on va voir. Et on verra également le coffrage des chaînages horizontaux avec le linteau au-dessus de la porte. Hein? Allez, on est parti. Donc, dans le principe, on voit ici, je vais zoomer, le chaînage qui dépasse pour être lié au chaînage horizontal. Et là, j'ai donc ligaturé le chaînage vertical ensemble en descendant jusqu'ici à ces parties-là. Alors, moi, en plus du chaînage, je vais couler un béton fibré parce que j'ai de la fibre en pagaille, donc je ne vais pas m'en priver. C'est pour ça que je ne fais pas une ligature de fou, ça ne sert strictement à rien. Donc, le béton fibré à lui seul va déjà beaucoup améliorer les choses. Malgré tout, la structure doit être fixée sur la dalle, c'est pour ça que le chaînage vertical vient se prendre à la dalle et je l'ai scellé au chimique. Voilà. En ce qui concerne les bois de charpente, eh bien, écoutez, malgré tout, ça reste assez difficile à trouver. Donc ici, j'ai des planches de coffrage et là, des bois de charpente. Donc il y a rupture de stock un petit peu de partout. Je les ai pris par avance. Alors je les ai laissés liés parce que après ces 4 jours de pluie là en Provence, tout a pris l'eau. C'est une vraie cata pour pas que les bois se voilent. Donc je les ai laissés attachés avec les sangles sur la remorque. Voilà. Allez, une fois que ceci est fait, on referme le trou en mettant des planchettes, et puis après on pourra couler le béton. Donc je ne vais pas vous faire voir le reste, puisqu'il y a 5 piliers à faire, hein, 4 angles, plus celui-là que je viens de faire. Donc voilà, allez, on est parti. Alors voilà, j'ai coffré mes bas de piliers. Bon, comme tout le monde, on coffre comme on peut. Voilà. Ici, j'ai fait un petit coffrage d'angle. Attends, je fais gaffe en passant que je ne m'arrache pas une cheville. Et voilà, le dernier coffrage ici. Le pilier du fond, je ne peux pas vous le filmer puisque c'est mon fils qui l'a coffré. Lui, il arrive à passer dans l'interstice qui est là. Mais moi j'ai du mal à passer. Donc c'est lui qui l'a fait. Voilà. Donc il a coffré de l'autre côté. Alors j'ai trouvé une autre solution. Comme je vous ai dit, moi je vais faire du béton
du béton fibré, puisqu'on coule les dalles béton sans ferraillage. Malgré tout, je ferraille quand même. Alors, comme j'ai acheté du chaînage vertical, j'en ai peut-être plus qu'il n'en faut. Enfin, j'en ai encore besoin pour les chaînages horizontaux. Ce que j'ai fait, j'ai redescendu mon chaînage jusqu'en bas, au lieu de l'arrêter ici et de le ligaturer comme j'ai fait ici. Donc ça fait que le trou est assez gros pour passer les deux chaînages. Donc lorsque le tout va être pris dans le béton, c'est pas utile de les ligaturer entre eux. Voilà, surtout pour ce type de construction où l'élévation maximum, ici on est à 2 mètres, là-bas on est à 2,40 m, pas plus. Voilà, on voit les chaînages qui sont en place. Voilà. Sur celui-là. Voilà. Ben maintenant, il ne reste plus qu'à couler les piliers. Alors, tant que j'y suis, je vais rajouter ici, sur cette partie-là, une dalle béton où je vais faire un caisson fermé qui va me servir à mettre mes compresseurs. Alors, je vais faire le coffrage maintenant. Comme ça, si jamais il me reste du béton, j'en profiterai pour le mettre en place et renforcer un petit peu, plutôt que de le jeter. Allez, on continue. Donc j'ai coulé mes piliers, enfin j'en ai coulé que deux, je n'ai pas encore tout coulé. Je vais vous faire voir celui-là, je vais essayer de ne pas tomber avec la caméra. Donc voilà. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai fabriqué ce petit coin en bois que vous mettez sur les angles avec deux serre-joints. Ça permet de couler le béton sans que ça tombe à côté, ce qui est quand même relativement mieux. Et là, je n'ai pas coulé mon pilier jusqu'en haut. Alors c'est fait exprès parce qu'au moment où je vais faire le chaînage vertical et mon coffrage, à ce moment-là, je vais couler et le béton va re-rentrer du béton frais dans tous les piliers. Au lieu d'être à ras et de prendre que le chaînage métallique, ça prendra également l'aglo avec. Voilà, hein, on le voit ici. Donc c'est pas plus mal. De plus, à ce niveau-là, je vais avoir le linteau de porte. Voilà. Mais je fais ça sur tous les piliers. Celui-là est coulé. C'est pareil, je ne l'ai pas coulé. Il reste la valeur d'un demi-aglo, à peu près un trois quarts de profondeur d'aglo. Voilà. Après, il faut faire gaffe parce que c'est la gueule, parce qu'il y en a deux partout. Ici, j'ai préparé donc la dalle en béton fibré à venir. Donc ce que j'ai fait, même principe que l'autre côté, avec le contre-jour, on ne voit pas trop. J'ai scellé des fers au chimique sur la tranche de la dalle existante. Voilà. Bon, la tuile sert à cacher ici, hein, parce que j'ai pas envie que quelqu'un s'empale, ni mon chien d'ailleurs. Voilà, donc ici, j'ai fait des pieux avec du chaînage. Ce qui va permettre de... une fois que la dalle sera coulée, de ne pas glisser et de rester collée au mur. Donc elle va prendre ses ferraillages en sandwich ici et là, comme ça ma dalle sera bien stable. Voilà, donc il me reste à niveler un petit peu, hein, il y a coulé cette dalle en béton fibré. Voilà, ou ici je vais pouvoir faire un petit abri pour mettre mes compresseurs à l'intérieur, comme ça ils seront bien abrités et ne me gêneront plus en plein milieu. Voilà. Donc il me reste encore trois piliers à couler. On voit ici que ça a commencé. Voilà. Alors il faut faire un béton un petit peu liquide quand même. L'idéal c'est de faire un béton. Alors moi ce que je fais, je mets un seau complet de ciment. Donc pour ma bétonnière qui est une bétomix, elle n'est pas très grosse. Hein. Donc je mets un seau plein de ciment comme ça, un seau de maçon. Et en proportion, après je remplis la bétonnière pour une valeur de 10 pelles de sable et 10 pelles de gravier. Voilà, jusqu'à ce que la bétonnière soit pleine. Alors 10 et 10, ça ne suffit pas pour la remplir. En fait, il faut quasiment 20, je dirais même 23 et 23 pour que cette bétonnière soit pleine. C'est la Bétomix BX134. Donc voilà. Et là, ça permet de faire deux belles brouettes de mortier. Et ça remplit deux piliers, pour ceux que ça intéresserait, deux piliers
à 2 mètres de haut sont remplis. Donc vous avez vu jusqu'où je me suis arrêté. Voilà. On voit que j'ai donc fini de couler tous les piliers. On voit encore les traces d'eau. Pourtant, ça fait plusieurs jours que j'ai coulé ces piliers. Voilà, on voit ici donc la pénétration du béton. Voilà. Alors c'est normal hein, que ce ne soit pas parfaitement plat, hein. Le béton c'est épais, donc pour que ça pénètre parfaitement à ras, on voit ici le canon. Et malgré tout, il est rempli, on le voit jusqu'en bas. Voilà, ceux-là aussi sont coulés. On le voit ici, là j'ai commencé à préparer pour le chaînage horizontal. Alors voilà moi comment je fais. Étant donné que je suis seul, tenir les planches et coffrer, c'est compliqué. Alors je mets ici des vis longues à la bonne hauteur que j'ai mis au niveau laser. Hein, donc j'en ai mis une là et une là. Voilà. Je poserai mes planches dessus de chaque côté. On va voir de ce côté. Voilà. Et mes planches seront quasiment au niveau. J'aurai plus qu'à poser les serre-joints. Pour les serrer, voilà. Et ici, bon, il me reste le linteau à faire aussi, hein. Voilà. Donc là, c'est fait. Ici, on voit également, alors, que ce pilier, je ne sais pas le mettre en contre-jour. Désolé, ça bouge un peu. Il faut que je règle le steady shoot. Donc ici, on voit aussi que le pilier est bien coulé. Alors pareil, hein, c'était un coffrage d'angle. Vous l'avez vu, le béton n'est pas remonté en haut du coffrage, mais la partie ronde du pilier, elle, elle est pleine et ferraillée. Et ici, j'ai donc fini. Donc les 7 dalles qui vont recevoir mes deux compresseurs. Voilà, donc elle fait 2 mètres par 1 mètre. Alors j'ai dû la couler en deux parties, d'où la couleur. Tout simplement parce que j'avais beaucoup de sable d'avance. Donc j'ai rajouté du gravier et j'ai scellé une partie avec ce que j'avais. Et la deuxième partie, je l'ai coulée aujourd'hui même avec du mélange à béton tout près. Bon, enfin tout près, sans le ciment. Alors le problème, c'est qu'au niveau de l'alimentation, je suis obligé de prendre une remorque par une remorque. Tout simplement parce que si je prends la remorque pleine, je la déballe ici, j'ai besoin à la fois des deux matériaux, du sable et du mélange à béton et éventuellement du gravier. Vous voyez que j'avance de plus en plus. Alors à force d'avancer, bientôt ma bétonnière va se trouver à plus de 100 mètres, ce qui va être relativement difficile à gâcher. Voilà, alors je fais comme ça et la dalle recevra un petit réagréage pour la mettre parfaitement de niveau une fois qu'elle sera terminée. Alors dans la continuité, donc j'ai terminé tous les coffrages pour faire le chaînage horizontal. Voilà. Voilà, on voit ici. Alors je vais monter à l'échelle, ça va bouger un petit peu, désolé. Bon, c'est bien d'un niveau, pas de souci, il y a de la buée. Alors on voit ici, donc tout le chaînage que j'ai mis en place. Et que j'ai ligaturé à cet endroit-là. Ici, chez mon linteau. Le pourtour est ferraillé. J'ai utilisé du chaînage double pour ça. Alors je n'ai pas fait les écarts d'angle comme on fait normalement sur un chaînage, hein. C'est-à-dire que moi j'ai prolongé mes chaînages, je les ai ligaturés avec le pilier vertical et comme je vous ai expliqué au départ, tous mes piliers je ne les ai pas coulés intégralement, c'est-à-dire que le béton va redescendre au centre du pilier et noyer le tout.
Alors pourquoi je n'ai pas fait les équerres d'angle ligaturés? Tout simplement parce que dans la construction que je fais, ce n'est pas utile de le faire, c'est-à-dire que c'était même pas utile de faire un chaînage comme ça, vu l'élévation et la largeur de la construction. C'est un abri de jardin, donc cette maçonnerie n'était pas aussi extrême et aussi nécessaire pour faire cette construction. Je le fais parce que c'est pour moi, hein, bien sûr, donc je le fais comme il faut. Mais après, à ce niveau-là, c'est pas utile de faire vraiment les équerrages dans la mesure où dans la ligature, je prends ensemble les deux chaînages qui arrivent sur le même pilier. Donc hier, j'ai coulé tout le linteau. On le voit ici. Alors ça n'a pas été sans mal, hein, je vous dis, parce que tout seul, même si c'est pas un très gros linteau, c'est du taf, hein. Voilà. Voilà, tout le chaînage horizontal est terminé. En plus, il s'est mis à pleuvoir en fin d'après-midi, ce qui n'a pas facilité les choses. Donc maintenant, j'ai plus qu'à donner un coup de disqueuse sur les ferrailles qui dépassent. Donc vous voyez, tout a été pris au niveau du chaînage vertical plus chaînage horizontal. C'est pour ça que j'ai pas mis les équerres d'angle, parce qu'en fait tout est pris et lié en une seule fois, donc pas utile de rajouter du métal, ça bougera pas. Voilà, voyez, pareil ici. Voilà, donc maintenant je vais attendre 72 heures avant de décoffrer, que ça soit bien sec, pour être sûr que ça bouge pas. Voilà, c'est bien brillant parce que je l'ai bien chargé en ciment, c'était bien gras. Et voilà, le coulage du chaînage horizontal est terminé. Ici, j'ai laissé des réservations pour passer de l'électricité et de la tuyauterie, j'en ai laissé de chaque côté. Voilà, donc je commence déjà à préparer les poutres. Alors ça a bougé un peu, désolé, mais je vois pas où je marche. Voilà, donc ici j'ai rattrapé tout le faux niveau d'origine de la dalle, 4,5 cm. Voilà, on voit la charge. Alors le linteau, lui, est très fin parce que j'avais pas prévu au départ ces 4,5 cm, fait que 5 d'épaisseur, mais ça va être amplement suffisant puisqu'il n'y a pas plus à porter, hein, au niveau poids, donc il est ferraillé, banché, il n'y a pas de problème. Et le béton est fibré également. Donc on voit ici, voilà, vous voyez les réservations que j'ai laissées ici également. J'ai coupé toutes les ferrailles qui dépassaient, donc des chaînages verticaux au niveau du croisement, donc tout est croisé comme prévu, et je fais un premier jet sur la mise en place des poutres, voir ce que ça donne, si le niveau est parfait. Allez, on va vérifier ça, tiens. Voilà, donc bien sûr les poutres ne sont pas à la bonne longueur, hein. Là c'est des poutres de 4 mètres alors qu'il va me falloir 3,20, 3,30, donc je vais les recouper. Là c'est juste pour voir si en les posant sur le chaînage, par acquis de conscience, le niveau est bon. Voilà, j'ai du mal à stabiliser un peu. Voilà, mon niveau est pas mauvais, mais là je suis pas exactement à 90 degrés. Voilà, donc à 90 je suis bon. On va vérifier le bas. Je fais attention parce que la poutre est posée à la verticale au bord, si jamais elle tombe. En plus, elles n'ont pas le même écartement, hein. Je ne les ai pas mesurées, donc c'est juste pour une vérification, hein. On va voir ce que ça donne. Donc si je me mets à 90, voilà. 90, je suis bien. Voilà.
une fois que les poutres auront le bon positionnement. Bon, le linteau est encore frais, hein, très frais, malgré que ça fait 2 jours qu'il a été coulé. Là, je vais être obligé de laisser sécher encore 3-4 jours, parce que sinon, juste en montant les poutres, ça allait friter. Donc, il faut vraiment laisser sécher. Hein. Voilà, tout le tour, on voit que le béton est vraiment encore frais. Voilà, là, c'était juste pour le fun, quoi. Voilà, allez, fin de cette partie-là.